Le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur dans le monde, est sorti ce mercredi 20 mars 2024. Qu'en retenir La Finlande est le pays le plus heureux du monde, pour la septième année consécutive. Dans l'ensemble, les pays européens dominent le classement. En particulier, les pays nordiques Finlande, Danemark, deuxième, Islande, troisième, Suède, quatrième, et Norvège, cinquième ont tous conservé une place dans le top 5. Selon le rapport, le pays maghrébin et africain dans lequel les habitants sont le plus heureux est la Libye, 66e classement mondial. D'après le rapport, les Marocains semblent être moins heureux que les Algériens, qui occupaient la première place des pays africains dans le classement de l'édition 2016. Le Maroc, classé 107e au niveau mondial, se trouve en troisième position en Afrique du Nord devant la Mauritanie, la Tunisie et l'Égypte. Dans le top 10 africain, on retrouve l'Algérie en quatrième position, 85e mondiale, suivi du Congo, du Mozambique, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Sénégal. Si l'on examine les dix derniers pays de la liste, l'Afghanistan reste le pays le plus malheureux du monde, dans un classement pratiquement inchangé. On trouve aussi 134e place la Zambie, les Swatini, le Malawi, le Botswana, le Zimbabwe le Congo, la Sierra Leone, le Lesotho et le Liban. Le classement annuel du World Happiness Report repose en grande partie sur des évaluations subjectives des participants, compilées au cours des trois dernières années par le Gallup World Poll en coopération avec le Wellbeing Research Center de l'Université d'Oxford, et le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies. Après avoir recueilli les réponses des personnes interrogées, concernant leur propre vie pour établir les classements, des spécialistes en économie, psychologie et sociologie interviennent pour analyser les données et formuler des évaluations basées sur six variables essentielles. Les variables quantifiées dans le rapport sont le revenu PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la générosité et l'absence de corruption. Le classement est en réalité essentiellement basé sur les sondages réalisés par l'Institut américain Gallup. Chaque année, sur une période de trois ans, environ un millier de personnes de chaque pays sont sondées. Elles doivent évaluer leur vie sur une échelle de zéro horrible à dix parfaite, et sont également interrogées sur leur rapport aux émotions positives rire, plaisir et intérêt, et aux émotions négatives inquiétude, tristesse et colère.